Wagram coûta 27 000 hommes à la France, mais ce fut l'échec de la 5e coalition et la fin de la guerre d'Autriche. En 2 mois et demi de campagne, 200 000 hommes étaient tombés sur les champs de bataille du Danube. En rentrant d'Autriche, nous trouvâmes aux portes de Paris un peuple impossible à nombrer. La ville était ivre de joie de nous revoir. Je pus enfin endosser ma tenue de sergent et jouir des plaisirs du temps de paix. Toujours respecter la chose du cœur. Ça, c'est vrai. Comment tu le sais? C'est Javotte qui me l'a dit. Godaï, c'est peut-être un salaud, un ivrogne, un tricheur, un macro, mais pour ce qui est du sentiment qu'elle a dit, vous pouvez tous vous aligner. C'est une brave petite. Qu'est-ce qu'il veut de moi, mon aimant de cheveux? Merci. Mais pourquoi que l'histoire de la Joséphine, ça me bouleverse? Il paraît qu'elle a tourné de l'œil. Il a dit qu'il la répugnait. Répudier. Quoi? On dit répudier. Oui, bon, d'accord, si tu veux, caporal. Bah, de toute façon, ça ne change rien à la chose du cœur. Bah, en tous les cas, elle est tombée dans les pommes, la pauvre petite. Ah, bah, mets-toi à sa place. Oh, je peux pas. Alors, tu manques d'imagination. Mais non, mais... Tu me vois en impératrice. Très bien, ouais. Merci. Qu'est-ce qu'il peut me prêter, un mouchoir blanc? Tiens, prends-en un là-haut dans mon paquetage. Merci, le reste. Ah, bah dis donc, sergent Coignet, je sais pas si tu te saoules, mais tu te nippes. Vous croyez que ça va aller? Ah, t'es beau comme un tambour major. Bouge pas, Apollon. T'as mis une lingère dans les beaux quartiers? Je suis invité dans le monde. Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis invité chez le capitaine Radar, à dîner. Oh. Avec quelques autres personnalités. Oh, messieurs... Mon mari m'a dit quelle bonne nuit il avait passé à Austerlitz grâce à ce tonneau que vous aviez trouvé. Depuis que je vous ai vu, madame, je pense que votre mari aurait préféré passer sa nuit ailleurs. vous n'êtes pas sans savoir que mon brave Coignet a été le premier soldat décoré par l'empereur. Souffrez, monsieur, qu'on vous en fasse compliment. Je souffre, monsieur. Je souffre. Et les sergents Coignet ne parlent que le langage des camps. Merci, capitaine. C'est vrai. J'aime pas parler de ces choses-là en dehors du bivouac ou de la caserne. Pour m'en vouloir, j'ai pas l'habitude de la vie civile. Vous êtes soldat depuis longtemps? 11 ans, madame. C'est un bail. Ma femme, un bail renouvelable se compte en 3, 6, 9. Je veux renouveler sans savoir, monsieur. Reprendrez-vous un peu de rôti, sergent. Merci, madame. Vous savez, mon ami, que sans Coignet,
je serais déjà mort deux ou trois fois. Par la faim, le froid, le feu. Capitaine. Silence, sergent. J'aime bien Coignet. Et j'aime qu'on l'aime. Dites-moi, monsieur, puisque vous venez de ces régions, avez-vous l'impression qu'on intensifie la culture du lin dans les pays baltes? Je ne saurais vous dire, monsieur. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les vendanges ont été belles à Wagram en 1809. Plaît-il? La terre a été bien arrosée. Vous avez eu beaucoup d'aventures, sergent? Des aventures, mademoiselle? Dans les villes où vous preniez garnison, dans ces villes aux noms étranges, il devait y avoir de jolies filles. Oh, ça va, mademoiselle. Un militaire n'a pas d'aventure. Que ce soit à Vienne, à Berlin ou ailleurs, les filles qu'on rencontre sont toujours les mêmes. Mais les voyages, l'exotisme, la guerre... Pour nous, mademoiselle, la guerre, c'est plus une aventure. C'est devenu une habitude. C'est pour loger les hirondelles. Oh, 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 oh. Silence! Silence! Oh, 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 oh. Silence! Oh! Ah! Oh, 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 oh. C'est pas facile, ça! Bon, c'est sergent, toi. Bonjour, moi, ça. Voilà, je suis là. Oh, 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 Daniel, c'est l'enfant de Cojon que vous auriez le soldat, je perçu. Sergent Coignet. Le sergent Coignet. Ah, c'est Coignet. Eh ben, mon salut, t'en tiens sacré. T'as dû passer une fameuse soirée, là. Oh, là, là. Formidable, les gars. Formidable. Il y avait des généraux. Il y avait des femmes. Elle avait des bijoux partout. Il y en avait là, partout. Et avec des décolletés. Tiens. Il y a une princesse qui m'a donné son mouchoir. Elle était belle, mon vieux. Elle était belle. Mon vieux, dis donc. Oh. Nous, à la fin d'un lieutenant. T'as raison, Jacques. C'est du beau linge, hein. Pendant ce temps, l'empereur divorçait et se remariait avec une fille d'Autriche. Les soldats tombés à Wagram n'étaient pas morts pour rien. On sut que la jeune impératrice était en mal d'enfant. À mes heures de loisirs, je perfectionnais mes connaissances sous les ombrages du bois de Boulogne. Un coup d'œil, sergent. Il y a du beau linge. Qui c'est-il? La nourrice. L'autre femme, je la connais pas. Le grand, c'est Duroc, le maréchal du palais. Venez donc, sergent, ne craignez rien.
votre obéissance, mon général. Approchez, mon brave. Approchez. Laissez le faire, sergent. Je vous le ferai remplacer. Tu es un homme de Dorsen? Oui, mon général. Sergent Jean Roquecoignet, du 1er grenadier à pied. Depuis combien de temps sous l'uniforme? 12 ans, mon général. Campagne? Portugal, Italie, France, Autriche, Espagne, 2e campagne d'Autriche. Étiez-vous à Wagram? J'y étais, mon général. C'est bon. Confiez-lui l'enfant, madame. Il l'a bien mérité. Il pleure. Bravo, sergent. Eh bien, sergent. Ben, un moutard comme ça, c'est lourd, mon général. Avez-vous un autre plumet? Non, mon général. Tenez, mon brave. Voilà un bon pour 2 plumets. Ce n'est pas moi qui vous les offre. C'est le roi de Rome. Son père m'en remboursera. Merci, mon général. Ce fut la seule fois de ma vie que je portais un enfant dans mes bras. Je ne devais jamais oublier ce jour. Je ne revis jamais cet enfant. La politique l'avait moissonné trop tôt. 3 ans passèrent, 3 ans de paix, 3 ans de fête pour certains et de misère pour d'autres. Alors que le pain commençait à manquer dans les villes, l'armée se préparait à une nouvelle guerre et fabriquait des cartouches. Pas de panique, pas d'affolement, la distribution aura lieu cet après-midi à la mairie. Le 26 juin 1812, 450 000 hommes envahirent le territoire russe, traversant le Niémen sur les 3 grands ponts que l'empereur avait fait jeter. Ils marchèrent en direction de Vilno. Depuis le passage du Niémen, les troupes russes se repliaient devant la grande armée. Le général Barclay refusait le combat.
Les hommes tombaient, non pas fauchés par la mitraille sous un ciel de gloire, mais tués par le froid des nuits, la chaleur accablante des jours et la pénurie de vivres. Depuis longtemps, les bœufs destinés à l'ordinaire et les chariots de ravitaillement qu'ils traînaient avaient disparu dans le sillage de la Grande Armée. Et ça, c'est les dragons d'Ornano. Tu rigoles ou t'es big? C'est les grenadiers de Walter. Des vieux de la vieille, ça compte 8 campagnes. J'ai même pas foutu de distinguer une cantinière d'un écouvillon. Ouais, ben quoi, caporal? C'est bien des dragons? Le dragon de mes fesses, mon dieu de Bleuzaille, tu vois bien que c'est un chasseur de dénouettes. Dragon ou chasseur, je m'en fous bien, on la crève. Mais la soupe, on veut de la soupe. C'est pas à la retraite battue en fantaisie qui a pris le ventre. Oui, on a plein le dos d'avoir le ventre vide. La ration. La ration. Ça grogne, Jean-Rotte. Ça soulage, Jean-Louis. Ah ouais? Et ces sacrés russes qui se montrent pas? On trouvera peut-être tout ça à Vilna, avec des vivres et l'armée de Barclay. Ça pourrait bien. Après, je donnerais bien mes chevrons et mes galons de caporal pour m'attabler à la gargote d'un faubourg. Ouais. À quoi, ouais? J'ai vu les blés en traversant la France. Les moissons seront maigres. Et la farine manquait déjà. Cette chanson-là. Moi aussi, pays. Et je reconnais la chanteuse. Un coup de sirop, les anciens? Ça réveille la bravoure. Alors, Margot la joie. Attends. Non, le canon de Montebello. Soi-même. Oh, ma pauvre drôlesse. Qu'est-ce que tu viens micmaquer dans ce pays de misère? Faut bien que je suive mon homme. Hé, hey, il a quel numéro, celui-là? Je peux pas dire, caporal. Je sais compter que jusqu'à 10. Et tes moutards? Les deux aînés sont à pain chez les chasseurs de Curial. Le troisième est mort, à Austerlitz, comme un petit homme, coupé en deux par un boulet. Il allait sur ses 7 ans. Ma pauvre Margot. J'ai assez pleuré. La vie, soldat, ça part, ça vient. Mon petit d'Austerlitz sera remplacé avant que tu rentres dans Moscou. Allons, camarades, au vieux de la vieille. L'empereur avait besoin d'officiers. Il décida de les prendre dans les sous-officiers de sa garde. Alors, Coignet? J'y tiens pas, mon capitaine. Bougre d'entêté, que ça vous plaise ou non, ce soir, vous serez lieutenant dans la ligne. Plutôt crevé, mon capitaine. Sacré... Bien ça, ces gaillards-là feront de beaux officiers dans les régiments. Qu'avais-tu, toi? Je ne tiens pas à passer lieutenant dans la ligne, mon empereur. Pourquoi? Je m'y languirai, mon empereur. État de service? Un fusil d'argent Montebello.
Premier décoré de la Légion d'honneur aux Invalides en 1804. Caporal à Tilsit, sergent Hitzling. 9 ans de service dans votre garde, mon empereur. Je désire y rester. C'est bon. Nous allons arranger ça. Tu passeras lieutenant dans la ligne, mais tu resteras près de moi. Montian, tu prendras ce grognard comme adjoint à mon petit quartier général. Sacré pourrique. Vous avez gagné quand même. Grenadier, au commandement. Anjou. Hey! C'est mort en brave, hein? Et t'en as eu de dur. Mon lieutenant. Repos. Le lendemain, je me présentais aux ordres du général Montillon pour accomplir ma première mission. À vos ordres, mon général. C'est bien, lieutenant. Vous avez vos consignes? Conduire 700 traîneurs jusqu'à Vitebsk et les remettre aux ordres du maréchal Davout. Bon. Partez au plus vite, vous avez une grande forêt à traverser. Et l'escorte, mon général? Elle est là. Elle vous attend. Vous allez embarquer dans la même galère. Repos! Vous savez ce qu'on attend de nous? Bon, le fifre et le tambour en tête. Le voltigeur en avant. Quant à moi, j'assurerai l'arrière-garde. Rassemblement! En bougre de bon à rien. Et sur le nombre, une bonne centaine qui ne demanderait pas mieux que de me foutre un coup de fusil dans le dos. Vitebsk, Ulm, Somosiel, Königsberg, Smolensk. Ne pense pas, soldat. Laisse ça aux gens de métier, c'est leur affaire. Toi, ton affaire, c'est d'avoir l'œil vif et le poignet solide.
Le coup de fusil part, le sang bretaille. Après, tu as le loisir de réfléchir, quand tu as sauvé ta peau. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et de fleurs d'amour, j'irai tambouriner sur la fidélité de ma bien-aimée. Tais-toi, soldat.